Dans le fond, les entreprises papillons, c'est une nouvelle initiative qu'on a lancée à la Fondation. Donc, le but, c'est vraiment de faire un partenariat avec les entreprises d'ici pour faire rayonner la mission de la Fondation et le papillon de la Fondation du CHUS. Donc, les entreprises peuvent ramasser des dons, puis c'est comme ça qu'ils deviennent des entreprises papillons pour nous. Donc, on fait un partenariat avec eux, puis ça fait rayonner là, la belle mission et la belle cause de la Fondation. Donc, durant toute l'année, si une entreprise décide de se lancer dans cette belle initiative-là, bien, nous, on leur remet l'accréditation entreprise papillon avec l'année en cours. Donc, c'est comme ça un peu qu'on devient une entreprise papillon de la Fondation du CHUS. Dans le fond, à chaque fois que les gens achètent une torsade aux tomates basilic fromage, on donne 1 $ à la Fondation. Puis on a choisi cette torsade-là parce qu'on se disait, bien, c'est tomate basilic, tu sais, c'est avec du basilic frais, de la tomate. On s'est dit que c'était peut-être quelque chose qui pouvait inspirer la santé aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ce produit-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça allait de soi, là, pour aider cette fondation-là. Puis en plus, moi, j'ai accouché 2 fois au CHU. C'est un bel hôpital. Tu sais, on a... Tu sais, c'est quand même une place où on a... qu'on a besoin, l'hôpital, puis que nous ou nos proches, à un moment donné, vont en avoir besoin. Fait que de donner à la Fondation, c'était comme naturel, en fait. Mm. Est-ce que vous seriez intéressé à laisser un don pour la Fondation du CHU pour une bonne cause? Oui. Ça coûte combien? Ça coûte 2 $. En fait, on présente le projet et quand les gens se présentent à la caisse, on leur demande de faire un don additionnel. Et ça, au niveau de la caisse avant et aussi au niveau du laboratoire. Non, sur le beau petit papillon ici. Ça, la beauté de la chose, c'est qu'ils ont la chance de signer un papillon. Et on voit déjà l'effet que ça fait. Les gens sont heureux de contribuer à ce beau projet-là. La Fondation, c'est important pour nous, surtout les entreprises de Sherbrooke. On aime, c'est notre façon de redonner un petit peu à tout ce que la Fondation procure là, au niveau des hôpitaux.